parole de Paul, c'est ici que sera jugée donc l'arrivée de la 8e étape du Tour cycliste international du Faso. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici dans la capitale de la province du Naouri. Et je suis toujours avec mon consultant permanent, Monsieur Boubacar Tao. Monsieur Tao, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Tao est commissaire de course UCI. Il était également le directeur technique national de la Fédération Burkinabé de cyclisme. Et ce matin, à Koubri, il y avait donc 69 coureurs au départ. Et ce qu'il faut signaler, c'est que Koubri pose une distance longue de 122 600 km. Alors, Monsieur Tao, est-ce que vous pouvez nous rappeler le classement général à l'issue donc de la course contre la montre courue entre Koupela et Zaogo? Est-ce que vous avez une idée du classement général et les différents temps? Ok, à l'issue de cette fameuse course contre la montre par équipe hier, donc l'arrivée s'est faite à Zaogo. Vous savez que le Marocain a repris le maillot jaune des épaules de Hamza. Il avait arraché à Tinkodo. Et donc à l'issue de ça, voilà, Hamza perd effectivement le maillot. Et le Marocain s'est effectivement âgé une fois de plus le maillot jaune à l'issue de cette course par équipe. Donc c'est pour vous dire que les choses sont relancées en cours. D'autant plus que l'Algérie va essayer de reprendre le maillot. Et le Belge, Hunter, qu'il avait perdu depuis fort longtemps, va se repositionner, pourquoi pas même l'arracher. Les Burkinabés, qui étaient à la traîne durant ces dernières étapes, vont essayer de se repositionner, parce que rien n'est encore joué pour eux. Il reste encore, maintenant il va rester deux étapes, mais je crois qu'ils ont encore de la chance pour bien se signaler encore dans ces deux dernières étapes. Oui, allez-y. Il y a un Suisse ici qu'on néglige qui effectivement fait du bon boulot. Le numéro 15, Bichiman Daniel, qui est un Allemand bien sûr, qui court dans l'équipe suisse, qui est bien placé dans le classement général individuel. Qui avait remporté l'étape de Kaya. Voilà, donc vous voyez que les choses sont relancées ce matin. Et de telle sorte qu'il y a eu beaucoup de tentatives d'échapper. Tout à fait. On va revenir. Dans un premier temps, effectivement, tentative d'échapper qui a été très vite annulée, alors qu'on peut apercevoir effectivement le départ donné ce matin du côté de Koubri. 69 coureurs ont pris le départ autour de 8h45 pour prendre la direction de Po, la capitale donc du Naouri. Passage à Kombissiri. Vous pouvez donc voir à l'image les vendeuses de fruits et la région des patates. Voilà, et merci, et il faut le dire, effectivement. La région des patates. Patates douces, effectivement. Et donc, il y a donc le départ donné, et puis les tentatives très vite annulées, et finalement, un groupe de coureurs décide de se détacher du groupe maillot jaune. Ils sont une trentaine. Et au départ. Oui, au départ. Et parmi cette trentaine, il y a des Burkinabés. Exact. Et effectivement, je crois que la trentaine de coureurs a réussi à s'échapper, même à mettre un temps de 3 minutes. Cet échappé est parvenu à 5 minutes avec une trentaine de coureurs. Mais on nous signale qu'il reste une vingtaine de coureurs avec une avance de 7 minutes sur le peloton. Peloton maillot jaune. Vous vous rendez compte que le maillot jaune est à l'arrière avec 7 minutes de retard par rapport à l'échapper, donc ça veut dire que c'est déjà pris pour le maillot jaune du jour. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce groupe d'échappés, il y a un bon nombre de Burkinabés, dont Domon Paul, Kone, et bon, pour ne citer que c'est Yerbanga, voilà, Balboné, voilà, Moukaïlou, voilà. Donc c'est pour vous dire quand même que les étalons cyclistes se sont tout cas signalés matinalement pour cette étape. Ils ont décidé d'aller à l'offensive. À l'offensive, suite aux consignes en tout cas données par le président de la fédération. Le premier point chaud disputé donc au Carrefour Manga, arraché par le Burkinabé Paul Lodomont, suivi
de l'Allemand, donc de l'équipe suisse, Bichmann Daniel, et puis l'Algérien Azdine Lagab arrive en troisième position pour ce point chaud. Alors, cela sous-entend que Paul Daumont a décidé de prendre son destin entre les mains, lui qui était à 1 minute 04. Exact. En prenant là de deux points chauds, bon, il gagne une bonification quand même de 6 secondes, ce qui n'est pas mal. Je crois que s'il arrive à faire premier ici, il aura en tout cas une bonification de 10 secondes. Donc ça va réduire considérablement son temps, son retard du moins par rapport au maillot jaune. Et même se repositionner, puisque le maillot jaune est à 7 minutes 2, c'est-à-dire de l'échapper. Donc je crois que c'est une bonne opération pour le groupe des Italons qui est dans cette échappée. Alors, deuxième point chaud disputé à Nobéré. Le 2 est passé en tête, Paul Daumont, vous l'avez signalé tantôt, suivi donc du 11, Yann Stockholm de la Suisse, et puis le 131, c'est Yaya Diallo du Mali qui arrive troisième. En tout cas, ils sont juste à quelques 10 km de la ville de Pau, de la place Nemaro, et nous attendons en tout cas l'arrivée ici à Pau. Pau qui est la capitale donc du Nauri, vous pouvez apercevoir la ville de Pau en image, une ville très belle, une ville frontalière, juste à quelques encablures donc de la frontière. Alors, monsieur Tao Bouaka, vous avez été directeur régional des sports dans le centre sud, ici même, on va dire dans cette région-là, et vous connaissez très bien Pau. Oui, avant d'être directeur régional des sports et des loisirs au centre sud, il faut dire que j'ai fait mon enfance, toute mon enfance, du CP1 jusqu'au CM2 à Pau ici. Donc je peux dire que je suis un natif de la région. Oui, oui. Voilà. Et la ville de Pau, et cette belle ville avec une belle verdure, l'architecture qui est une architecture différente de ce qu'on connaît un peu vers le centre et un peu vers le nord du Burkina. Alors cette architecture-là qui est un peu proche du Ghana, même le mode de vie, hein, c'est un peu proche du Ghana. Et, comment vous ressentez tout ça? Disons que toutes ces choses sont dans la culture Kassena, c'est-à-dire, comment dirais-je, dans la manière de vivre du peuple Kassena dans la province du Nauri. Voilà. Donc, parallèlement, il faut dire que la province de Nauri, c'est une province touristique. Puisque en plus effectivement de ces cages, de ces belles choses, il y a le ranch qui est à côté, qui regorge d'énormes potentialités en matière d'animaux fauniques. Donc vraiment c'est une zone touristique. Le ranch de Nazenga. Nazenga. Oui, tout à fait. Donc très 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 apprécié. En tout cas, n'eût été l'insécurité. En tout cas, les Européens font le va-et-vient dans cette province pour voir les belles choses dans la province du Nauri. Grâce donc à notre équipe de drones pilotée de mètres et mètres par Salifou Belem et son équipe, et bien entendu Vision Associée, nous pouvons apprécier donc la place Nemaro, c'est la place de la nation si vous voulez, voilà donc ici à Pau, c'est ici donc que se déroulent les défilés donc de marquant donc les festivités du 11 décembre, l'indépendance donc de notre pays pour le compte de la région, c'est ici que les autorités administratives, population et tous ceux donc qui entrent dans le cadre des festivités viennent se retrouver pour commémorer donc l'indépendance de notre pays, place Nemaro. C'est exact. Et par rapport encore à la province, il faut dire que la province a un club cycliste qui s'est créé et reconnu par la fédération il y a à peine 2 ans. Qui est déjà efficace sur le terrain parce que ce club cycliste de Pau vient participer aux différentes compétitions, aux compétitions nationales à Ouagadougou. Donc c'est pour vous dire aussi que c'est une région cycliste à l'instar des autres régions, même si ils n'ont pas de clubs aussi nombreux par rapport aux autres. Le parc Tambi
Kabore, Tambi Kabore, qui était un agent forestier donc décédé. On a pu voir la tombe donc de Tambi Kabore. C'est une forêt classée et donc un parc en tout cas national qui s'étend à des milliers donc de kilomètres, et on peut apercevoir la verdure effectivement dans le centre sud. C'est une région, en tout cas, où il y a une forêt immense, hein, voilà, et vous connaissez le parc Tambi Kabore. Oui, c'est en tout cas une zone protégée à cause, effectivement, des arbres et puis des animaux surtout. Tambi Kabore, effectivement, c'était un agent des eaux et forêts qui a été malheureusement assassiné par des braconniers. Tout à fait. Donc, c'est pour rendre hommage aussi à cet agent des agents et les eaux et forêts, que effectivement, bon, on a donné le nom, son nom à ce parc. D'accord. Donc, ça vous dit que c'est vraiment une zone vraiment plein phonique, oui. plein d'arbres à protéger, et les espaces phoniques et effectivement les arbres. À l'autre époque, on pouvait même voir hein, des éléphants à des heures précises. Des éléphants, en tout cas, quittent l'est pour rejoindre l'ouest. 8 heures, oui. Tout au plus. D'accord. Et le soir, ils font le même trajet de l'ouest à l'est vers 16 heures jusqu'à 18 heures. Donc, c'est vraiment leur passage offre un spectacle aux passagers. Un grand troupeau d'éléphants. Voilà. Tout à fait. Alors nous-mêmes, on a pu vivre, hein, on va vous le dire, c'est une information pas majeure, mais à notre arrivée ici, on a pu voir un troupeau de singes, voilà, donc qui traversait, qui était dans le parc, et ça nous a fait plaisir. On a pu profiter en tout cas de cet instant qui est très intéressant et un instant vraiment unique où on a pu vraiment voir les singes traverser. Ça fait plaisir. Et nous avons avec nous le médecin Covid, hein, et vous êtes là donc dans le cadre de la sensibilisation des populations, mais aussi de la caravane sur donc cette pandémie mondiale qu'est donc le coronavirus. Dites-nous, parlez-nous de cette pandémie et vos activités sur le Tour du Faso. Merci grandement. Et tout d'abord, avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même de dire merci aux autorités qui ont pensé à associer la santé à ce Tour du Faso. Donc merci grandement. Disons que la COVID-19, comme on l'a dit, est une des rares pathologies qui a eu à clouer toute l'humanité. Pendant plusieurs temps, pendant plus d'une année, on est en train de courir de gauche à droite jusqu'à présent à la recherche de solutions. Ce nous a pour à l'image